Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue à cette tribune spéciale consacrée à la 31e journée de la liberté de la presse célébrée cette année sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Au-delà de ce thème général, nous avons jugé bon de plancher sur la liberté de la presse et l'équilibre de l'information. Un sous-thème qui suscite l'intérêt des professionnels de l'information et de la communication congolais qui ont maille à partir avec des sujets à controverse. Pour en parler sur ce plateau, Guy-Serge de Mouanza, journaliste à MCRTV, Jophélie Balendé, journaliste à la radio La Voix de l'Orthodoxie et Sir Mafouta Paris, journaliste à MCRTV également. Messieurs, bienvenue. Bienvenue. Merci. Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Il est question ici de l'impact de l'ère numérique sur la liberté d'expression. Quelle est votre compréhension de ce thème, Guy-Serge de Mouanza? Merci pour cette question. Il faut d'entrée de jeu dire que depuis un certain temps, ce n'est plus un secret pour personne, nous vivons aujourd'hui un village global, un village que le sociologue américain appelait le village planétaire, McLuhan, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors, un monde aujourd'hui, d'un point de vue journalistique, sous l'emprise du numérique, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, les techniques d'exercice de notre métier sont telles que la vitesse d'action est accélérée, que de plus en plus le matériel dont nous avons à disposition nous permet d'agir en un laps de temps. Voilà, le numérique nous permet d'agir en un laps de temps, mais le numérique met beaucoup d'entraves en ce qui concerne la sécurité des journalistes. Nous avons dorénavant des caméras de surveillance. À partir de ce que vous avez dit, on peut extrapoler, Jophélie Balendé, le numérique. Nous sommes sous la mouvance du numérique aujourd'hui, nous qui pratiquons le journalisme. Oui, ben écoutez, le numérique aujourd'hui facilite un peu, comme qui dirait, nos tâches. Avant, lorsqu'on partait en reportage, pour prendre le cas d'une chaîne de télé, c'était qu'il fallait traiter l'information, commencer par l'acquisition d'abord, la bande. Donc si vous avez fait une heure d'interview, eh ben, il faut d'abord faire une acquisition pendant une heure. Le temps d'insérer le papier, ça prenait un temps fou. Alors qu'aujourd'hui, c'est avec des cartes mémoire. Mm-hmm. Donc l'acquisition se fait en quelques secondes et vous pouvez passer votre cluster pour aussitôt sélectionner l'image qui vous convient. C'est dire que le journalisme, effectivement, aujourd'hui est sous l'emprise du numérique. Ça nous permet d'accélérer notre manière de faire et puis d'aller plus vite dans le traitement de l'information. Par contre, vous l'avez dit entre-temps, qu'il y a comme une certaine surveillance, il n'y a plus de vie privée pour le journaliste. Oui, mais c'est justement à ce moment que ça fait appel à notre professionnalisme. Parce que le journaliste, ce n'est pas celui-là qui diffuse n'importe quoi et à n'importe quel moment. On fait passer l'information nécessaire et essentielle. Maintenant, le reste, c'est au public aussi de comprendre, surtout qu'on n'a pas affaire à un public totalement dupe ou acculturé. Eh bien, ce public-là, par rapport à ce que nous leur proposons, du fait qu'on ait été rapide dans le traitement de l'information, ben, ils auront le temps de comprendre ce qui se passe. Le numérique, c'est aussi un espace incontrôlé. Il suffit d'ouvrir sa chaîne YouTube, filmer et on revient. On diffuse des éléments. Vous n'êtes pas enregistré au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Vous n'avez jamais eu de carte professionnelle de journaliste. Sire Modeste Mafouta Paris. De ce point de vue, merci Alfred. De ce point de vue, on dirait simplement qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, il n'y a pas seulement ce que nous appelons les avantages. Il y a aussi des inconvénients. En tout état de cause, l'on constatera que vous l'avez dit,
Aujourd'hui, on va sur YouTube, on ouvre une chaîne, et en ouvrant cette chaîne, l'information n'est pas traitée. Parce que c'est le numérique, vous prenez, vous mettez sans traitement. Aussi aujourd'hui, le numérique, là j'ai parlé davantage, on peut se retrouver à Sibiti, hein, on peut se retrouver à Mosenjo, on peut se retrouver à Djambala, pourquoi pas à Pokola. Le même jour, vous avez une activité à ce niveau, vous le traitez même par WhatsApp, vous pouvez envoyer en un temps T, le numérique, en ce moment-là, joue son rôle, ce qui fait de telle sorte que, négativement, il y a ceux qui arrivent à ce que nous ne puissions pas nous dire que tiens, un travail a été fait d'une façon négative. Mais aujourd'hui, le numérique en tant que tel, c'est l'utilisation des uns et des autres. Si l'utilisation est faite à bon escient, on aura ce qu'il faut pour ce qui concerne ce numérique. Une deuxième question du chauffement. J'aimerais bien rebondir. Alfred Bangat, un rebondissement sur ce sujet parce que tout à l'heure, en entrant en matière, je n'évoquais que les avantages corrélativement à la question que vous avez posée. Mais il va de soi qu'il y a aussi l'envers de la médaille. Aujourd'hui, c'est un nouveau domaine, celui du numérique, et en République du Congo, au niveau des réseaux sociaux, les médias dits en ligne ne sont pas encore réglementés. Donc il y a un travail à faire à ce niveau, mais il faut aussi dire que, toujours au niveau de ces réseaux sociaux, tout ce qui, aujourd'hui, au moyen des techniques ou des technologies de l'information et de la communication, arrive à glaner l'information, ne sont pas forcément professionnels. Et donc il se pose un problème de traitement de l'information. Et sous d'autres cieux, ça s'appelle journalisme d'émotion. Vous n'êtes pas formé, mais parce que vous avez vu une image quelque part, vous la prenez et vous la mettez sur la place publique sans traitement aucun. J'imagine que dans les profondeurs du thème qui est le nôtre aujourd'hui, nous reviendrons sur la notion du traitement de l'information, surtout de l'équilibre, parce que c'est ce qui, justement, établit le distinguo entre les journalistes formés selon les règles de l'art et ceux qui ne le sont pas. Il s'agit de comment collecter l'information, comment la traiter. Et aujourd'hui, avec le numérique, c'est beaucoup plus le traitement et la diffusion qui nous sont facilités. Voilà. Et Reporter sans frontières dit qu'il y a aujourd'hui un chaos informationnel qu'il faille arrêter, toujours dans les questions d'échauffement, dans l'édition 2022 de son classement mondial de la liberté de la presse, publié ce 3 mai 2022. Reporter sans frontières met le Congo à la 93e place. Est-ce là un positionnement qui augure des lendemains meilleurs pour, n'est-ce pas, le bon travail des journalistes dans notre pays, ici, Romain Fouta Paris? Effectivement, lorsque nous sommes à la 18e place, nous passons... Ah non, j'allais dire, à la 93e, à la 118e place, j'y arrive. Nous passons à la 93e place. Cela revient à dire qu'il y a des avancées qui sont constatées en ce qui concerne la presse congolaise. Parce que s'il n'y avait pas des avancées, je ne sais pas sur combien de pays, mais qu'à cela ne tienne, j'estime que le Congo a fait un bond en avant. Et aujourd'hui, on peut s'en compter dire que, est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été arrêtés? Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont diffamé? Est-ce qu'il y a des journalistes qui par devers eux, en faisant leur rôle, ont entravé quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, cette avancée-là est significative et permet certainement aux journalistes congolais de se dire que nous faisons un travail qui s'impose, continuer dans ce sens, éviter les soubresauts qui ne sont pas du domaine de l'information et de la presse en tant que telle en général. Ça, c'est le classement de l'année 2022, mais il y a 2 ans, nous étions au 120e rang. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que les lignes ont bougé entre-temps dans la liberté de la presse? Est-ce que vous avez observé le travail abattu par les journalistes en 2020-2021, Jocelyne Balende? Bon, le travail abattu, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais je reconnais simplement que peu de journalistes aujourd'hui se retrouvent emprisonnés. On donne quand même un peu de temps à certaines structures de presse de s'approcher quand même de la réalité, de la source d'information. Et puis, aujourd'hui, on ne s'empêche pas tantôt de titiller quand même
même au niveau du gouvernement, hein, les ratés qu'il y a, dès qu'il y a une erreur, on essaie de le mettre sur la place publique. Ça, ce sont des avancées, il faut le reconnaître quand même. Mais ce n'est pas suffisant. J'aurais voulu que nous soyons dans le carré d'as, pourquoi pas? Et parce qu'on en a les possibilités, on a la capacité de le faire. Et puis aujourd'hui, je crois que beaucoup de choses changent. Les ministres qui, avant, se croyaient tout permis, qu'on ne pouvait pas dénoncer ce qu'ils pouvaient faire comme erreur ou faute, mais aujourd'hui se rendent compte que la presse est quand même la chicotte qui leur demande de se comporter d'une certaine façon. Il n'y a pas que les ministres, disons toute la classe politique qui aujourd'hui, parce que chez nous en fait l'homme politique c'est le dieu, hein, on ne le touche pas et tout, mais aujourd'hui nous sommes à même de dénoncer certains faits. Et je crois que c'est ce qui fait que nous partions de la 120e place à la 90e place. 93e. C'est un grand bond. Lorsque nous comptons, ça nous fait, je crois, près de 30 places de gagner. Oui. Donc je souhaiterais que nous avancions dans ce sens-là et que nous allions un peu plus loin. Je crois que le Congo a les capacités d'être dans le carré d'as. Alors, le Congo a les capacités d'être dans le carré d'as, comparativement à d'autres pays africains, comme l'Afrique du Sud, qui occupe aujourd'hui la 37e place, quand tu vois 35e place, nous sommes quand même un peu en retrait. Qu'est-ce qu'il faut faire, Guissard de Mwanza, pour que demain, quand on va encore évaluer le travail des journalistes dans les pays du monde entier, que nous puissions marquer des points? Très bien, mais avant d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation, Alfred Bangat, il est juste et bon qu'on fasse comprendre à nos téléspectateurs qu'en ce qui concerne le classement mondial, j'y arrive, de RSF, Reporters sans frontières, ce classement est fait sur la base d'une série d'enquêtes. Les questions sont posées aux professionnels des médias de chaque pays, mais également à certains partenaires comme les juristes, voyez-vous. Et il faut préciser que cette enquête ne concerne pas la qualité du travail de journaliste, mais plutôt l'exercice du métier. Dans l'exercice du métier, est-ce que nous accédons facilement aux sources d'information? Est-ce que les journalistes sont en but avec le décideur? Ce sont ces aspects qui sont intégrés pour établir le niveau de liberté, voyez-vous. Et c'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs qu'il y a une corrélation entre la liberté de la presse et la démocratie. Parce que les journalistes sont souvent présentés comme étant des sentinelles de la démocratie. Tout à l'heure, nous reviendrons certainement sur la liberté de la presse pour dire que c'est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques. Alors, avant de passer à autre chose, Guissard de Mwanza, on parle toujours de cette liberté de la presse qui est encore en questionnement dans notre pays. 93e place, c'est largement loin des autres pays qui ont été félicités récemment, le 3 mai notamment par Reporters sans frontières. Alors, au-delà des injonctions faites par les gouvernants, il y a aussi que dans les médias privés, avant de sortir avec une caméra pour aller couvrir une activité, il faudrait bien qu'on se pose des questions. Cette activité va rapporter combien? Est-ce que cela ne constitue pas une entrave à la liberté de la presse, rapidement? Dans chaque organe de presse, il y a une sorte de ligne éditoriale. Il y a des dispositions qui participent du fonctionnement interne. Il va donc de soi que dans chaque média, il y a des dispositions prises pour qu'il y ait entrée et sortie du matériel. Bon, je crois que le réel problème aujourd'hui dans les médias privés, c'est l'assujettissement au pouvoir de l'argent. On a tendance aujourd'hui à mettre en avant le facteur commercial, donc l'argent, et reléguant au second plan le côté professionnel, voyez-vous. Dans l'exercice de la liberté de l'information, il s'agit pour nous d'aller prioritairement à la recherche ou à la quête de l'information qui doit être mise à la disposition du grand public. Nous reviendrons sur les deux droits fondamentaux, le droit de l'information et le droit à l'information. Malheureusement, nous reprécisons cette petite difficulté que l'on pourrait considérer comme une entrave dans les médias privés. C'est la tendance à ne pas être capable de se départir du pouvoir de l'argent à travers le régime commercial.
Donc, on a maille à partir avec ces deux niveaux. Je pense que s'il y a des efforts à fournir, c'est de faire que l'information se distingue essentiellement de la publicité ou du service commercial. Et cela est dû foncièrement au fait que les médias privés ne sont pas subventionnés par l'État. C'est peut-être un aspect, mais il va de soi qu'en termes de critiques et de commentaires, lorsqu'on prend l'option d'ouvrir une entreprise de presse, il faut s'assurer qu'on a les moyens de sa politique. Je crois que cela est important. On reviendra certainement sur la question des subventions, parce qu'on connaît les réalités. Mais là, on peut l'aborder. Parce que justement, si on veut partir de cette place-là pour atteindre, qu'on sorte de la 13e place, pour être dans le carré d'as, il faut commencer par subventionner justement les structures de communication. Si aujourd'hui, l'État pense que les structures privées, qui sont des entreprises en fait, qui recrutent la jeunesse, qui créent de l'emploi et tout, doivent payer régulièrement, je crois ils appellent ça quoi, la rédevance. La rédevance audiovisuelle. Non. La rédevance devait en fait venir à notre secours. Mais nous devons payer les fréquences. Nous les payons, je crois, annuellement. La redevance fréquentielle. Voilà. Il y a cette redevance-là. Et puis, il y a d'autres taxes qui viennent, à l'exception de l'électricité, de l'eau et de l'amortissement du matériel et tout. L'État voit. Mais qu'est-ce que notre État fait? C'est que l'État semble beaucoup plus assister les structures d'État. C'est-à-dire la télévision nationale, la radio nationale. Mais nous tous, nous sortons des mêmes écoles. Nous avons les mêmes diplômes. L'État devait être impartial. C'est-à-dire, à certains moments, donner la possibilité aux structures privées d'aller en formation de recyclage, question d'être au top. Mais nous constatons quoi? L'État subventionne beaucoup plus les formations des structures d'État, alors que le rendu, excusez-moi, permettez-moi de penser comme ça, n'est pas souvent appréciable. Le public congolais, pouvez faire votre micro-trottoir, vous dira qu'il est un peu déçu de ce que Radio Congo ou Télé Congo rend. Ce n'est plus Radio Congo et Télé Congo d'antan. Pourtant, ces structures-là bénéficient des formations payées par l'État. Et la RAV, aujourd'hui, il y a une partie qui va vers la chaîne d'État, alors que cette chaîne-là est portée par le trésor public, mais les structures privées. Bon, comment voulez-vous que quelqu'un chez vous, par exemple, c'est le patron d'Ouna, il met assez de moyens pour que vous ayez des caméras de dernier cri, des structures telles que je vois, mais qu'en retour, il n'y ait rien de la part de l'État. Moi, je pense que... Jean-Philippe Alendé, dans ces conditions, assez rapidement. Lui, les pouvoirs publics, je crois qu'ils l'ont compris, puisqu'il y a eu ce débat au niveau du Parlement, ont l'obligation de subvenir aux besoins des médias privés également. C'est ce qui a fait qu'on revisite cette loi sur la redevance audiovisuelle. Mais il faut admettre aussi qu'il y a une petite histoire. Le temps où cette loi avait été votée, il n'y avait pas encore les médias privés. Donc, dans un premier temps, la RAV, s'il vous plaît, il y avait déjà TPT, il y avait aussi Radio Océan et puis la Radio de la Liberté. En tout cas, vous avez suivi le débat comme nous au niveau du Parlement. L'argument évoqué, c'est que lorsque cette RAV avait été votée, les médias privés n'étaient pas encore fonctionnels. Et donc, c'est sur la base du média public, plutôt que de média d'État, média public, parce que ce sont les contribuables qui apportent les fonds. L'État était donc obligé de subvenir aux besoins de la chaîne publique. Aujourd'hui, après le recul du temps, on a tous constaté qu'il n'y a pas que le média public qui participe à l'information, à l'éducation et au divertissement ou à la détente de la formation. Il y a également les médias privés qui certainement le font mieux. Donc il y a tout lieu aujourd'hui que la RAV soit revisitée pour que, également, demain, les médias privés puissent bénéficier de C'est pas le sujet, c'est pas le thème de notre lune, mais on ne pouvait pas passer pieds joints. En deux mots, rapidement. Les médias privés existent aujourd'hui. L'État le sait pertinemment. Sous d'autres cieux,
Même lorsque vous arrivez au Tchad, les médias privés sont subventionnés. Donc l'État devrait aujourd'hui prendre la chose à bras le corps pour subventionner les médias publics, c'est-à-dire les médias privés de la République. Certainement que le gouvernement voilà. vous écoute. Venons-en à présent à notre thématique en interne qui n'est autre que la liberté de la presse et l'équilibre de l'information. Qu'est-ce qu'on entend par liberté de la presse, Jofili Balendi? Bon, personnellement, j'entends par liberté de la presse, c'est un peu comme la phrase elle-même le dit. La liberté de la presse, c'est que la presse a le libre pouvoir de diffuser des informations que le peuple attend. Je vais par exemple dire, si on parle d'une malversation financière quelque part, c'est-à-dire une rumeur dans ce sens-là, eh bien la presse devait aller à la source d'information pour donner l'information vraie. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué chez nous? Les informations, certaines informations nous parviennent des chaînes étrangères. Étrangères, oui. C'est RFI qui nous apprend qu'il y a eu ceci et vous attendez deux jours après pour que Radio Congo fasse le relais et enfin les chaînes privées. Ça veut dire qu'il y a une certaine peur de dire les choses telles qu'elles se présentent. Alors, la liberté devait nous permettre d'aller directement à la source d'information. Pourquoi attendre que RFI nous informe d'une situation qui se passe chez nous? Voyez-vous, je pense que la liberté de presse devait être ce mécanisme, cette politique qui permettrait aux journalistes d'accéder à l'information, d'exercer librement son oui. métier. Voilà, exercer librement son métier, mais est-ce que cette liberté de la presse peut être exercée au mépris? Vous permettrez, Alfred Bangat, corrélativement ce qu'a dit mon confrère Jofili Balendi, qu'on fasse une sorte de propédeutique de notions préliminaires, parce qu'il faut intérioriser les concepts. C'est une expression, liberté de la presse, mais il y a avant tout la racine dans cette expression, la liberté. Comment on perçoit la liberté? La liberté, c'est, en termes de droit, cette faculté, cette latitude, cette licence, cette permission d'agir par soi-même, sans dépendre d'autrui, sans contrainte. Et lorsque nous parlons de la liberté de la presse, nous évoquons ici un principe fondamental qui met en exergue la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Tout homme a le droit de penser par lui-même sans contrainte. Il a également le droit d'exprimer ses idées par écrit ou par n'importe quel moyen, sans subir des pressions extérieures. Et justement, puisque nous parlons de l'exercice du métier de la presse, la liberté en République du Congo est encadrée. Il ne s'agit pas, on y reviendra dans les profondeurs, de la possibilité donnée à tout le monde de dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. La liberté est d'ordre politique. Politique en griffe, en ceci qu'elle est encadrée. Il s'agit, en ce qui nous concerne, par exemple, de la loi Ibovi, la 08/2021 du 12 novembre 2021. C'est dire qu'il y a un ensemble de règles qui font qu'on exerce cette liberté de façon à ne pas écorcher des personnes. De façon... Cet encadrement ne s'arrête qu'au stade de la loi Ibovi. Il y a d'autres instruments juridiques? Mais bien entendu, tous les professionnels des médias, puisque nous y sommes, même si généralement et dans la pratique, beaucoup de professionnels de médias ne font pas attention aux textes qui régissent l'exercice de notre métier. Parmi les documents fondamentaux, je parlais tout à l'heure de la loi Ibovi, mais il y a également la charte des professionnels des médias, donc le code d'éthique et de déontologie professionnelle. Nous devons nous approprier ces documents de sorte que les actes que nous posons en tant que journalistes ne se confondent pas avec les métiers d'enquêteurs ou de policiers. Or, malheureusement, dans la pratique de notre métier, souvent, on ne sait pas établir la frontière entre le métier de journalisme et le métier de policier ou d'autres agents de notre société. Paris. Je dirais que c'est une liberté essentielle hein, qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle s'appuie sur la liberté d'expression qui donne à chaque personne le droit d'exprimer ses opinions dans le strict respect des uns et des autres. Même quand ça ne plaît
La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement et d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis différents, de commenter, de débattre et bien entendu de critiquer quand ça ne va pas. Voilà d'une manière explicite ce que je peux dire sur la liberté. On peut parler de cette liberté de la presse au mépris des règles déontologiques et d'éthique du journaliste. Ben attendez, aujourd'hui cette liberté, il faudrait que, lorsque vous parlez de la déontologie, Guy-Serge de Mwanza venait de dire tout à l'heure qu'il y a bon nombre des confrères et consœurs, pourquoi pas, du métier, qui n'ont jamais fait attention à un certain nombre de lois qui sont mises en exergue pour la bonne marche de la déontologie ou de l'exercice de la fonction. Maintenant, aujourd'hui, si nous sommes à côté de la déontologie, là, en ce moment-là, nous ne faisons pas notre travail comme il se doit. Il est bon, là, devant les tracasseries, pourquoi pas, qu'aujourd'hui, que chacun de nous puisse se regarder pour, en fin de compte, mettre la déontologie à qui nous est imposée afin de faire un travail qui s'impose. Si ce n'est pas fait de la sorte, on va déambuler. En ce moment-là, on ne fait plus le métier de journaliste, mais faire n'importe quoi pour simplement peut-être se dire que je le suis, je le fais malgré moi. Alors, prenons Alfred Bangat en termes d'illustration pour les spectateurs, pour qu'ils aient l'intelligence de ce que nous disons. En termes de code d'éthique et de déontologie, lorsque nous parlons du principe de vérité, c'est dire que le journaliste qui a collecté l'information avant de la diffuser doit s'assurer de la pertinence de cette information. J'ai dit pertinent parce qu'il s'agit du caractère intéressant, déjà pour le grand public, l'intérêt général, mais aussi l'authenticité de ce fait. Est-ce que ce qui est dit, ce que l'on publie, est en conformité avec la réalité? Si tel n'est pas le cas, ben, il faut recouper les sources d'information. Il faut revisiter son information de manière qu'elle soit vraie. On ne dit au grand public que ce qui est cohérent parce que c'est en conformité avec la réalité. Savez-vous seulement que dans notre métier, le fait est sacré. Le fait est en dehors du journalisme. Il faut que tout le monde soit capable de constater que ce que vous dites est en conformité avec ce qui est, ce qui existe. Or, nous avons malheureusement, c'est une critique que je nous formule, constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites dans nos médias qui n'épousent pas les contours de la réalité, qui sont en porte-à-faux avec la réalité. Quand on va évoquer la question du principe d'équilibre, certainement qu'on y reviendra, parce que dans le traitement de l'information, quand vous avez évoqué un son de cloche, surtout quand il s'agit des sujets à controverse, mais il faut également regarder l'autre son de cloche de sorte que l'information soit harmonisée. Or, malheureusement, nous sommes ahuris de constater aujourd'hui qu'au nom de la liberté, qui en réalité est un libertinage, on se permet d'évoquer des faits qui en réalité ne le sont pas, puisque ces faits sont biaisés, travestis, de façon qu'ils ne rendent pas compte de la réalité. Alors, vous l'avez dit, la liberté de la presse est encadrée par la loi Ibovi, la loi sur la liberté, non, le Conseil supérieur de la liberté de la communication, la déontologie, l'éthique du journaliste. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques principes du journalisme, ce que devrait faire le journalisme dans le cadre du traitement de l'information et ce qu'il ne peut pas faire, Jophélie Balendine? Le journaliste devait être impartial, simplement. Il y a un fait et un événement, vous partez en reportage, je préfère aller terre à terre, c'est de rendre l'essentiel de ce que vous trouvez sur place. C'est-à-dire, je prends un exemple, je suis supporter de l'Étoile du Congo. Je vais au stade, l'Étoile du Congo est battue par Léopard. Je prends un exemple, Léopard bat l'Étoile du Congo. Moi, je suis supporter de l'Étoile du Congo et je vais rendre mon papier en disant « Non, mais le match, tel que vous le voyez, oui, le pas a gagné, mais ce n'était pas comme cela. Finalement, l'arbitre avait… » Vous voyez, je semble tirer l'information vers un justificatif qui n'a pas le droit d'être cité. À ce moment-là, professionnellement, il faut le préciser. Professionnellement, vous ne l'informez pas, mais vous commentez. Et je défends. Il faut distinguer l'information du commentaire. Ce n'est même pas un commentaire.
Ce n'est même pas un commentaire, c'est un avis. Oui, mais justement, Geoffrey, le commentaire intervient lorsque, au-delà du fait, vous apportez votre point de vue. Et il y a un commentaire. Je suis en train d'aller dans ce sens-là, mais voyez bien l'orientation de mon commentaire, c'est que je semble prouver que, logiquement, ce n'est pas Étoile qui devait être battue. Oui, c'est votre avis, c'est votre opinion. Professionnellement, c'est dire quoi? Il s'est joué un match à tel endroit, à telle heure, qui a opposé telle équipe à telle autre, et le score, c'est ta. Je diffuse l'image de la rencontre. Mais celui qui lit pourra comprendre. Alors, qu'est-ce que nous remarquons chez nous, dans notre sphère? C'est que les informations, surtout politiques, vous vous sentez comme, vous l'avez dit, hein, le terme vient de vous là, être encadré. Vous savez, lorsque vous êtes dans une liberté encadrée, on peut se demander si réellement c'est une liberté. Oui. Ça veut dire qu'il y a des œillères. On vous dit qu'il y a des choses que vous avez vues que vous ne pouvez pas voir, que vous avez vous les regardez, mais vous ne les voyez pas. Oui. Ça veut dire que notre liberté, voilà pourquoi on est à la 92e place, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on donne la possibilité. Pourquoi nous écoutons, et tout le monde, même le gouvernement, chaque matin, ils suivent RFI? Parce que dès qu'il y a une information qui dérange un ministre, il y a des gens qui retournent. Bien sûr. Ce n'est pas le cas. Lorsque MCRTV balance une information, bon, on peut vous appeler, puis machin. Mais au téléphone, tel que réagissent nos dirigeants, je crois que c'est assez différent. Donc, notre liberté à nous, au lieu d'être encadrée, loin d'être un libertinage, justement, mais qu'il faut qu'il soit une liberté qui suscite notre professionnalisme. C'est à nous de mettre... Mais Geoffrey Balende, je pense que nous parlons quelque peu le même langage, et même s'il y a contradiction, je la voudrais dialectique. Quand on parle d'une liberté politique ou d'une liberté encadrée, ceci voudrait simplement dire que c'est une liberté qui s'inscrit au-dedans de la loi. Voyez-vous, il y a des normes. Quand je vous ai lu la 08, que beaucoup de professionnels de médias ne connaissent pas, en réalité, ils ne devraient pas être appelés professionnels, parce que on ne peut pas être journaliste en République du Congo sans connaître la loi Ibovi, la 08, n'est-ce pas? Alors, dans la série d'articles qu'il y a dans cette loi, on vous dit comment il faut procéder lorsqu'il s'agit d'une information à controverse, parce que vous avez évoqué l'information politique. Non, Geoffrey, l'encadrement, c'est la norme. Quand vous travaillez au-delà de la norme, ce n'est plus du professionnalisme, ça devient de l'amateurisme. C'est de cela que je parle. Et justement, vous le reconnaissez, lorsque votre liberté n'est pas encadrée, c'est du libertinage. Vous faites penser à Feuerbach, Ludwig, qui disait « La liberté, ce n'est pas la possibilité donnée à tout le monde d'être imbécile à sa manière. » Ce n'est pas une insulte, mais c'est une vérité vraie pour dire que la liberté... au-dedans d'une société, doit être encadrée. Il y a des normes. On dit souvent que la liberté de chacun de nous devrait s'arrêter là où commence celle de l'autre, n'est-ce pas? C'est la notion de la norme, c'est de cela qu'il s'agit. Vous n'avez pas le droit parce que vous avez la liberté d'expression. On revient à ce que nous voyons dans nos médias. Parce que vous avez le micro, vous pouvez vous permettre d'insulter n'importe qui. Parce que vous avez un espace médiatique, vous pouvez vous permettre d'écorcher des personnes. Non. Ça se fait selon les règles de l'art. Il y a des règles, c'est ce qu'on appelle encadrement, hein. Ça n'a rien à voir avec... Je vais prendre un cas pratique. Nous sommes dans une rédaction. C'est un citoyen de la ville qui vous appelle pour un conflit des terres, par exemple. On a vendu les terres aux tiers, et 10 ans après... d'autres personnes sont venues pour vendre les mêmes terres aux citoyens. Alors, il y a conflit entre les Fumututu, ce qu'on appelle, communément chez nous, Fumututu, les terriens. Dans les propriétaires alors, terriens. Vous participez à une telle conférence de presse, sachant qu'il y a litige. Quelle devait être l'attitude du journaliste qui vient participer à une conférence de presse où on dit « nous sommes les propriétaires des terres » On a vendu en 1984 et ceux qu'ils ont vendus en 2005 sont des fous. Vous avez gagné l'information. Vous rentrez chez vous, dans votre organe de presse, comment était cette information? Mais je crois que les règles de métier commandent que dans le traitement de cette information, qu'on équilibre le propos. Dès lors que dans ce que vous avez recueilli, on a désigné des personnes,
vous avez l'obligation de recourir à ces personnes pour avoir leur point de vue. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de l'information, n'est-ce pas? On fait leur conférence de presse, c'est normal. Ils ont la liberté d'expression. La liberté de la presse ne vous commande pas de diffuser ce que vous avez... Vous ne diffusez, parce que vous en prenez justement, on en parle, vous en prenez la responsabilité. C'est vous qui traitez. Mais en quoi consiste le traitement de l'information si on n'applique pas les règles déontologiques? Vous avez un point de vue qui, sans nul doute, est pertinent, mais pour donner la possibilité au grand public de se faire une opinion, vous ne diffusez pas qu'un seul son de cloche. Surtout, je reprécise, lorsque l'un des protagonistes a dit « X a fait ceci ». Mais vous avez l'obligation de recourir à cette personne pour équilibrer l'information. Et puisque ça arrive souvent, il y a des moments où la personne écorchée ou indexée par un propos refuse de se prêter au micro. Ça veut dire quand même qu'il y a une démarche du journaliste vers lui. Mais vous le citez. Nous avons été voir M. X qui a été nommément cité. Il n'a pas voulu parler. L'information équilibrée. Là aussi, il y a un problème. Mm-hmm. On dirait simplement que les journalistes, hein, Alfred, ont le droit ou le devoir d'informer le public des sujets d'intérêt général. En ce moment-là, celui-ci ne se confond pas avec la curiosité du public qui ne dispose pas d'un droit absolu à tout savoir. Les journalistes ne disposent pas d'un droit absolu à tout, au fait, de toute difficulté aussi. Aussi, le droit du public à connaître des sujets déterminants, la liberté, la responsabilité du journaliste ou journalistique. Les journalistes s'imposent. Pour se faire des normes qui découlent des droits, c'est-à-dire diffuser des informations vérifiées. On ne peut pas prendre l'information qui est le premier Mfumutoto qui a vendu, quel est le deuxième qui vient. Ça devient de l'anarchie. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? On recoupe l'information. On repart à la source. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes comme en déphasage. Vous repartez à la source, que vous ayez une information qui s'impose et puis par après, vous pouvez mettre à la vitesse. Vous recoupez l'information pour la rendre la plus complète possible. On ne peut pas parler de la rétention de l'information. Vous avez été à une source d'information, vous avez été à la conférence de presse. On a dit qu'ils sont terriens depuis des années et ce sont eux qui ont vendu les premiers. Et qu'ils ont gagné le procès au tribunal. Voilà, très souvent, ils vous brandissent un document du tribunal. Bien sûr. Mais moi, je pense que c'est mieux de donner l'information telle qu'elle est, sans apporter des commentaires, et repartir à l'autre source, pour que le peuple lui-même sache qui est le premier terrien. Parce que lorsque nous disons qu'il faut recouper, le temps que nous recoupions, que nous fassions d'autres, et là, justement, on devient comme des... le mot est parti, mais enfin... On devient comme des policiers. L'information, c'est quoi? Moi, je suis Mfumutoto. Je suis allé au tribunal, j'ai gagné un procès. Vous savez qu'au tribunal aussi, depuis un moment, il se passe des choses. Un jugement peut être, truqué ou biaisé. Moi, je pense que l'information à mettre à la disposition, c'est d'abord ce Mfumutoto-là qui arrive, qui dit qu'il est le terrien. Il présente ses documents, j'ai les films, c'est bien authentique. C'est le juge X qui a fait. Je donne cette information, mais ça ne m'empêchera pas d'aller vérifier. Mais attends, mais il est en train de revendre des terres que les gens ont acquis depuis 1984, nul arrivé en 2002, et puis il a un jugement. Bon, je donne d'abord cette information. Et après, je repars pour dire, ben attendez, l'information qu'on a... Et si vous avez affaire à un Mfumutoto qui n'a pas confiance en la justice de son pays, donc il n'a pas de documents, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais s'il n'y a pas de documents, nous devons justement... Il est en train de prêcher dans le désert. Mais il faut évoquer qu'il est en train de prêcher, mais nous n'avons pas encore la preuve. Est-ce qu'il faut refuser ou il faut établir l'équilibre? Moi, je pense, c'est un avis, hein, mais techniquement, on peut toujours la reformuler. Un Mfumutoto arrive présentement, dit par exemple que bon... la tour Mayombe, c'est ma terre. Moi, c'est moi, le détenteur de cette information-là et tout. L'information paraît à quel moment? C'est lorsque vous dites au public, ah, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Tartampion, il dit que la tour Mayombe lui appartient. Est-ce qu'il a apporté des preuves? Je vous en prie. Il donne une information, mais il faut la vérifier pour qu'elle soit juste. Avant de diffuser.
Mais bien évidemment, s'il vous plaît. Sinon, c'est une information erronée. Mais sinon, c'est quelqu'un qui venait chaque fois, vous trouverez des citoyens. On aurait comme ça porté sur la place publique des gens sans foi ni loi. Bien sûr. Vous savez que dans l'exercice de ce métier, nous avons aussi à protéger la dignité des personnes. Je vous prends, en termes d'illustration, l'article 3 de la loi Ibovi. L'exercice de la liberté de l'information et de la communication ne peut être limité que par des considérations tenant au respect de la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Alors, je nous ai écoutés, je pense que ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut tout se permettre. Je reviens sur la notion de l'encadrement. Vous savez qu'il y a par exemple ce qu'on appelle la littérature grise, l'information de décision. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Lorsqu'il y a des sujets sensibles, à controverse, on ne diffuse pas dans le feu de l'action parce qu'on finit par le regretter. Il faut recouper l'information. Qu'est-ce qu'on dit dans le feu de l'action? Après, je suis d'accord avec vous, il faut que la rédaction se donne la latitude de compléter l'information pour ne pas donner l'information d'être partiale. Parce que le métier commande que nous soyons impartiaux, n'est-ce pas? Mais si on a diffusé un seul son de cloche, on n'a pas eu le réflexe de recourir au deuxième point de vue. Il y a partialité. Il y a partialité. Et donc, nous avons dit Ambré sur le chapitre équilibre de l'information. Dans quel contexte on parle donc de l'équilibre de l'information? Question pertinente. Geoffrey Balende évoquait la question des hommes politiques. Généralement, c'est autour des élections qu'il y a beaucoup de conflits parce qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Ils sont généralement de différentes obédiences. Alors, à quel moment, pour faire chorus avec votre question, à quel moment intervient l'équilibre de l'information? C'est dans le cas des sujets à controverse. Quand il y a débat, dès lors que deux personnes interviennent sur le même fait, ben, il faut prendre en termes de traitement les deux sons de cloche sur le même sujet. En ce moment-là, vous donnez la latitude au public de se donner une opinion. Si c'est X qui a raison, c'est pas votre problème. Vous, c'est mettre à la disposition du public les deux opinions. Alors, voilà. D'habitude ou d'expérience, les médias congolais diffusent un seul son de cloche. Est-ce que à partir de ce moment-là, on peut dire que le Conseil supérieur de la liberté de communication ne joue pas à bon escient son rôle? Mais attendez, le rôle du Conseil supérieur de la liberté, c'est autour de tous ces faits. Ces faits-là doivent être, en ce moment-là, vus. Lorsque l'information, lorsque nous allons... Ça devient déséquilibre, en ce moment-là. Lorsque ce déséquilibre-là est, en tant que tel, cautionné, en ce moment-là, le journaliste ne joue plus son rôle. Donc, le journaliste devrait se remettre en cause en ayant à l'idée que l'équilibre ne peut pas être de mise, si et seulement si l'on ne peut pas aller d'un pas du côté A et du côté B. Si ce n'est pas le cas, toi-même, en tant que journaliste, tu dois te remettre en cause pour essayer de te dire, est-ce que je suis en train, en ce moment-là, de faire mon métier comme il se doit? La question est posée. Il y a une forme d'autocensure. Effectivement. Même si la censure est prohibée par la loi Ibovi. C'est exactement. La loi Ibovi encadre une liberté, mais après, d'une certaine façon, Il faut lire les textes et il faut aimer les textes. C'est le professionnalisme. Il faut les aimer. Alors, moi, pour ce qui est du Conseil supérieur à la liberté de communication, félicitations déjà pour le travail qu'ils font. Il nous reste deux minutes, on va conclure assez rapidement avec le rapport entre liberté de la presse et équilibre d'information. La liberté de la presse est-elle incompatible à l'équilibre de l'information? En 30 secondes, monsieur Guissard. En 30 secondes, non. La liberté de la presse, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué, mais elle n'est pas en porte-à-faux avec... Le principe d'équilibre qui est un mode de traitement. Au contraire, la latitude que nous avons de traiter l'information devrait nous donner, en intériorisant les règles de l'art, de traiter les questions à controverse de façon à faire intervenir les deux parties. En tout cas, c'est pratiquement la même chose. C'est l'impartialité, en fait, qui devait être au centre de cette philosophie.
On dirait que le traitement équilibré de l'information politique hein, ou toute autre information requiert, hein, il faut le dire, la rigueur, l'humilité, l'équidistance et surtout le professionnalisme de ce qui est toujours pas facile, mais le faire à bon escient est une très bonne chose. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tribune, mais nous n'allons pas nous séparer sans vous gratifier de cet article 100 de la loi 08 qui dispose « Le journaliste doit exercer sa profession avec loyauté, la calomnie, les accusations portées sans preuve, préétablies, l'altération des documents, la déformation des faits, et l'inexactitude volontaire de l'information pour surprendre la bonne foi de quiconque constitue notamment des pratiques déloyales répréhensibles par la loi. C'est ainsi que s'achève cette tribune. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur MSAR TV.